Dimitri Payet, parti il y a quelques semaines de l'OM pour relever un challenge fou au Brésil, a goûté aux joies de la victoire. Après la fin de son contrat avec l'OM, résilié au cœur de l'été. Dimitri Payet a tenté un pari aussi fou qu'excitant en décidant de s'envoler pour le Brésil à Vasco de Gama. Une signature qui a provoqué une vraie ferveur dans un club en grande difficulté. À la lutte pour le maintien en championnat du Brésil. Et justement, cette nuit, Vasco a remporté une victoire attendue depuis un moment pour le deuxième match de Payet qui, de son côté, a débuté la rencontre sur le banc de touche. Attendu comme titulaire, Payet est finalement entré pour la dernière demi-heure. Avec une vraie influence puisque dans un fin de match agité où son équipe, qui avait mené deux fois au score face au Fluminense de Marcelo buteur par ailleurs avant de se faire rejoindre, a finalement marqué deux buts en fin de match pour s'imposer 4-2. Payet a été à l'origine de la contre-attaque pour le but du break. Payet qui aurait même pu marquer lui-même un but pour embraser le stade brésilien. Vasco s'offre en tout cas un succès capital. Revenant à 5 points de Goya, premier non relégable. De quoi célébrer comme il se doit ce succès avec une belle communion entre joueurs où Payet a bien joué son rôle.